viens devant. Tu veux tout pour toi. Tu vas pour toi. Tu veux tout pour toi. Tu veux tout pour toi. Tu veux devant. Tout pour toi. Tu veux tout pour toi. Tu vas tout pour toi. Tu vas. Voilà. Salut, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Jésus a dit dans sa parole que personne ne peut venir à lui. Ce n'est pas le Père qui l'a envoyé. Jérémie dit que c'est Dieu qui attire les gens vers lui. Levez alors les mains. Vous allez confesser ce que je vais dire. La confession apporte la possession. Si tu confesses, si tu possèdes ce que tu as dit. Il y a une confession de péché, mais une confession de la parole de Dieu qui est plus efficace. Ceux qui sont derrière aussi, levez les mains derrière. Ouais. Dis ceci après moi. Quand vous ne comprenez pas français, vous suivez le pasteur. Avec fond. Si vous comprenez le français, vous me suivez alors. Dites, Seigneur Jésus. Aklono Jésus. Plus fort que ça. Seigneur Jésus. Je sais que je suis pécheur. Ta parole m'a touché ce soir. Je confesse ce soir que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Enlève mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Ta parole déclare. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé ce soir. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Aide-moi à te suivre, à te servir, à t'adorer en esprit et en vérité. Satan, tu es venu pour voler, détruire et tuer. Mais ce soir, tu n'es plus mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il est venu pour que j'aie la vie. Et que je l'ai en abondance.
À partir de ce soir, je te commande. Au nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ de Nazareth. Sors de ma vie maintenant. Sors de ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Parce que je suis à toi. Je ne mourrai pas. Je vais vivre. Parce que tu es mon Seigneur. Pour t'adorer. Au nom de Jésus. Levez les mains. Amen. Priez, ouvrez la bouche. Priez, remerciez le Père. Priez par votre langue. Français, anglais, fond, Priez, remerciez Dieu. Remerciez. Il comprend toute langue. Il va te comprendre. Dis-lui merci. Parce qu'il t'a sauvé. Il t'a donné la vie. Ah, tes péchés sont pardonnés ce soir. Oh, tes péchés sont pardonnés ce soir. Remerciez-le. Mets ta main sur ta poitrine, je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, voici les gens que tu viens de sauver. Alléluia. Je les remets dans tes mains. Seigneur. Je demande ta grâce sur leur vie. Amen. Aide-les par ton Esprit Saint. Amen. Afin de te connaître, de t'adorer, de te servir. Amen. En esprit et en vérité. Amen. Père, je te dis merci. Merci, Seigneur. Tu m'as dit qu'il y a de la joie dans les cieux. Oui, Seigneur. Si une seule personne vient à toi. Yes. Merci ce soir. Merci, Seigneur. Parce que tu as ton peuple devant toi. Bénis-les. Amen. Qu'ils reviennent donner de témoignages. Amen. Qu'ils soient affermis dans ton adoration. Amen. Et qu'ils te connaissent. Amen. Personnellement. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclamez le Seigneur vous-même. Il faut pas bon miracle, il faut pas la plus. Attendez. Suivons. Acclamez le roi d'avoir le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme je l'ai dit hier, le salut veut dire en mot grec sozo. On est quand au grec moment il y a le sozo. Tu veux dire salut. Et ouais, il y a le roulégan. Délivrance. Quand tout tout. Guérison. À son bon. Restauration. Blébouté même. Etc. Donc nous voulons prier pour les malades. Mais nous allons lire. Dans Luc 5. Luc Taton. Verset 17 à 20. Luc 5, verset 17 à 20. Luc Taton, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Il est le masque à peu près où Jésus nous conduit à l'opéra de l'école de fin d'automne. Il a rentré dans la gare. Verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Baissez la tête, Seigneur, pour
pour ce moment précis dont la parole à ton peuple. Touche ton peuple comme ce jour quand ce paralytique a été guéri et les gens étaient émerveillés. Merci papa dans le nom de Jésus parce que tu l'as toujours fait. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons une histoire vraiment pertinente ici. Nous avons une histoire pertinente. La parole de Dieu nous dit qu'un jour Jésus enseignait et les docteurs de la loi venus partout de la Judée, de la Galilée, de Jérusalem, et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Une fois qu'il y a la parole de Dieu quelque part, il y a la puissance de Dieu. Et si quelqu'un est malade, il doit avoir sa guérison. Parce que la parole de Dieu même, c'est une puissance. La parole de Dieu est Dieu. On ne peut pas séparer Dieu de la parole. On ne peut pas séparer la parole de Dieu. Dieu est Jésus. Dieu est la parole. La parole est Dieu. Donc, lorsque Jésus prêchait, la puissance de Dieu est là pour guérir les gens. En même temps, quatre hommes ont amené un paralytique. Très gros. Il est sur place, ça fait très longtemps. Et il ne peut pas marcher. Ils l'ont amené vers Jésus pour la guérison. Mais ils n'ont pas trouvé de place parce que la maison est pleine. C'est rempli. Alors ils ont dit au monsieur, nous allons repartir à la maison parce qu'il n'y a pas de place. Le malade dit, mais laissez-moi ici. Sinon, montez le toit. Et vous creusez le toit. Vous me faites descendre devant Jésus. Jésus, est-ce que ça va chez toi? Comment la maison de quelqu'un? Et nous allons creuser le toit avant de te faire descendre. Ça marche chez toi. Le malade dit, bon, maintenant, je ne vais plus aller à la maison. Laissez-moi ici. Vous partez. Donc les quatre frères ne peuvent pas partir pour le laisser. Bon, nous allons faire ce que tu veux. Ils sont montés. Et ils sont en train de creuser un trou là-bas en haut. Un pharisien a sa tête chauve. Il n'a pas de cheveux sur sa tête. Alors, les brindilles tombent sur sa tête. Mais, quels sont ces fous, ces connards? Qu'est-ce que tu penses là-bas? Qu'est-ce que ces bêtes-là? Le pharisien les insultait. Il ne continuait pas à creuser. Il fait une seule chose. La guérison de leur frère. Je dis la guérison de leur frère. Bien aimé. Ils ont descendu le malade devant Jésus. Quand Jésus a vu le malade, il a cessé de prêcher aux gens. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens murmuraient. Il dit, écrivez. Il a fait une erreur. Il dit qu'on a pardonné le péché. C'est Dieu seul qui veut pardonner le péché. Ah, c'est ce que nous disons. Il n'est pas fils de Dieu. Il a fait une erreur. Jésus les regardait. Jésus dit, quel est ce qui est plus difficile de dire? Tes péchés sont pardonnés. Ou bien prête à devant la maison. Mais je veux que vous chassiez. Et le Fils de l'homme a la puissance pour pardonner le péché. Idiot malade. Lève-toi. Prête à et va à la maison. Il s'est levé. Il a pris sa natte. Il a commencé par marcher. Oh, alléluia. 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 Bien aimé, écoutez-moi. Je ne veux pas, mais le temps est parti. Le monsieur a retrouvé sa guérison.
Parce qu'il a la foi. Il y a un loi à son tombeau. Qui va être guéri. Et il a reçu sa guérison. Il s'est levé. Et si on lui a dit de se lever et qu'il ne s'est pas levé, il ne peut avoir sa guérison. Il faut avoir la foi à Dieu, la foi à sa parole, la foi à la parole, celui qui te donne la parole. Adonati nous mau. Bon enseigne les toits d'hommes et le roi enseigne les toits. Enlève le doute de ta vie. Ne nous reconnaissez pas en toi. N'importe ce que les docteurs t'ont dit. Ne vous êtes tout le monde ouais. Des fois quand je prêche, les docteurs, on a des docteurs dans l'église parole de Dieu, mais ils disent vraiment, ils ne sont pas contents avec moi. Parce que il voit quelque chose que moi je ne vois pas. Je vois quelque chose eux aussi ne voient pas. Un jour, une femme est enceinte. On lui a dit que c'est le fibro va l'opérer. Et donner dans le fibro moi le frère dans elle est venue, j'ai dit c'est pas fibro, c'est l'enceinte. Et wa conté bon non ho elle qui fibro moi. Elle est repartie, on lui a dit mais c'est toi qui veux m'enseigner, apporte l'argent, je vais t'opérer. Hey, voyez là ah. Wa yo na klo numia. C'est quoi bon dans ça ouais mais c'est la machine qui a trouvé ça, ce n'est pas le docteur, c'est la machine. Oh, machine ou un monde fibro moi moi là. J'ai dit à madame, non, madame, reste, on va voir jusqu'à 6 mois. 6 mois, c'est bien sorti. Elle a donné un grand garçon. Alléluia. 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 Je dis alléluia. Alléluia. Des fois, tu peux être séropositif. Le docteur a bien vu ça, c'est séropositif. Mais ton Dieu peut te guérir. Son nom, c'est Jéhovah Rapha. Le Dieu guérisseur. Ce soir, si tu es ici, tu ne marches pas. Lève-toi sur tes pieds. Monte ta canne. Lève la canne, je vais voir. Qui a amené quelqu'un qui ne marche pas? Lève la canne. Lève la canne. Il y a quelqu'un, qui n'arrive pas à marcher. Lève ta canne. Qui ne marche pas? Je vais prier premièrement pour ceux qui ne marchent pas. Qui laisse la canne? Un jour, Paul prêchait. Il y a quelqu'un qui ne marche pas. On l'a laissé devant Paul. Et il a fixé le regard sur Paul. La Bible dit, quand Paul a su qu'il a de la foi pour être guéri, il est avancé vers lui, dit, lève-toi, droit sur tes pieds. Et le monsieur s'est levé. Et il a commencé à marcher. Lorsque tu me suis maintenant, n'importe où tu es, tu m'écoutes. Peut-être tu me vois. Je veux que tu te lèves. Tu n'arrives pas à marcher. Je veux voir ce matin. Mettre la canne. Ou bien tu es dans une chaise roulante. Tu es dans une chaise roulante. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui ne marche pas. Mais mon corps est qui a amené un sourd. Sourd muet. Sourd muet. On se met contre quoi? Sourd muet. On se met contre quoi? Lève la main, je vais voir. Tu as amené un sourd muet. Sourd muet. Un bon peno, de ma grâce. C'est elle-même qui est sourde. Qui est sourde plutôt. Oui. Mais non, c'est nous. Hein. Bon, sa mère n'a qu'à venir devant. Non, elle. Mais c'est. Non. Restez là-bas. Minotez le don, ouais. Mets tes deux doigts. Zé, alors, regarde-moi. Ouais. Ah.
Qui aussi? Regardez ce que la sœur a fait. Si tu as amené un sourd, mets tes deux doigts. Les deux index à cette oreille. Je te prie pour les sourds. Qui aussi? Meleko. C'est fini. Et voir. Je te prie. Le Seigneur nous a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Père, je te remercie. Père, au cours de ton oui. Parce que tu es le docteur. Donc, oui, celui qui guérit. Le poisson. Et tu les as guéris ce soir. Pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Jésus. Amen. Dites amen. Acclamez le Seigneur. Enlevez les doigts. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Ce qui ne voit pas. Mets tes doigts sur tes yeux. Les aveugles. Les aveugles. Je prie pour les aveugles. Je prie pour les aveugles. Je te commande. Esprit aveugle. Sors des yeux. Dans le nom de Jésus. Et ne reviens plus. Tu as créé l'homme pour qu'il voie. Je te déracine maintenant. Esprit d'aveuglement. Laisse-le. Laisse-la. Pour qu'il voie au nom de Jésus. Jésus, il y a quelqu'un qui a les mots de ventre, ça dit. Il a de l'ulcère. Le Seigneur guérit ton ulcère ce soir. Recevez la guérison au nom de Jésus. Si tu as été guéri. Reçois la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus, tu n'arrives pas à te baisser. Tu veux aller au WC. C'est très difficile, tu as de douleur. Le Seigneur guérit tes reins ce soir. Le Seigneur guérit tes reins ce soir. Recevez la guérison. Dans le nom de Jésus. Jésus, c'est comme. Massacre à Yababo. Prendez bébé. Si tu arrives à Katayababoria. C'est Yamamamama. Tout esprit satanique. Esprit de maladie. De la tête jusqu'au pied. Je le commande ta vie. Dans le nom de Jésus. Te sortis tout à l'heure. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Tu as les mots de cœur. Les mots de cœur. Il y a un seul qui a les mots de cœur. Ton cœur te fait mal. Le Seigneur guérit ton cœur. Le Seigneur guérit ton cœur. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tout à l'heure. Levez-nous sur nos pieds. Levez les mains. Chantez avec nous. Adorons le Seigneur. Le Seigneur a fait de toucher les gens ce soir.
Les accueils. Faites les essais. Tu as ta guérison. Oui. Et quand tu as sa guérison, viens devant. On a prié pour les sourds. Je n'ai pas prié quand même les aveugles, mais. Alléluia. Tu as mal au rein, le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Viens devant. Tu n'attends pas, tu attends, viens devant. Alors c'est nous à mal au cœur, Seigneur t'a guéri, viens devant. Tu ne vois pas, tu vois, viens devant. Oui. La sœur d'hier, dont j'ai parlé avant de commencer, si elle est venue en cas de venir, on va le prier pour elle. Celle qui saignait. Oui, qui aussi a trouvé sa guérison? Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, pasteur, nous avons quelqu'un ici qui a été guéri. Oui, Seigneur. Oui. C'est un sourd muet, mais après la prière, il ne commence pas à entendre, il ne commence pas à parler. Oh, alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Qui connaît ce beau gars-là? Qui le connaît? Qui le connaît? La personne n'a qu'à venir ici. Mais tu es là. Il y a quelqu'un. Oui. Non, si vous êtes même deux, venez. Mais voilà, Bibi, qu'il y a alors. Oh, acclamez le Seigneur. Ah, et elle a entendu la clame. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Qui aussi a sa guérison? Mais quand elle est le merveilleux, nous n'amenons pas les malades, c'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. Madame, soyez bienvenue. Et quoi bon? Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Bon, comment est-ce que vous le connaissez?
Approchez-vous. Comment vous le connaissez? C'est mon petit frère. C'est ton petit frère. Oui. Bon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, c'est depuis son enfance. 75. Depuis son enfance. 71. Son enfance. Son enfance. Oui. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Oui. Ah bon? Oui. Jusqu'à présent. Oui. Bon. Et maintenant, ce soir, il attend. Oui, avec le geste que les frères ont fait derrière là-bas. Ah bon? Amen. Donc on va voir si Seigneur. C'est que je peux faire ça aussi. Un blondé en bleu noir. Il est très content, il rit. Fait que rire, hein? Jésus. Dis, papa. Jésus. Pa. Jésus. Non. Jésus. On lui va parler un peu dans le. Il lui va parler, il me parlait. Pa. Jésus. Non. Là, il faut l'écouter. Pa. Tu veux se dire que tu as dit ça. Ah, ok, d'accord. Parle. Pa. Parle. Parle. Quel âge a-t-il? Il a 32 ans. 32 ans. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur. Chante Alléluia. 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 Dans sa voix. Chante Alléluia. Alléluia. Aller à la messe à l'église. Mais non, il plaît déjà. Ah bon. C'est vous bon. Allez l'amener à l'église. Vous allez à l'église. Hein? Oui. Votre pasteur est ici. Votre pasteur est là. Il n'est pas venu. Il n'est pas là. Il n'a pas parmi les pasteurs ici. Parce qu'il faut l'amener vers Jésus. Oui. Pour qu'il serve Dieu. Il va mieux parler. Il deviendra un prédicateur. Alléluia. Le témoignage pour Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, te disons merci pour la vie de ton Seigneur dans le nom de Jésus. Nous scellons cette guérison par le sang de Jésus. Amen. Amen. On loue mon tout père. Qui aussi a trouvé sa guérison? On loue Levons-nous sur nos pieds. Demain serait le troisième jour. Il y aura la délivrance. Ceux qui rêvent, ils dorment avec les gens dans les rêves. Ils nagent dans l'eau. Ils mangent. Donc demain, le troisième jour, nous allons faire la délivrance pour tout le monde. Peut-être on va descendre parmi vous. Si le Saint-Esprit nous permet, mettre la main sur vous pour la délivrance. Dis à quelqu'un, amène deux personnes demain. Deux personnes. Dis-lui, amène deux personnes demain. Amène les malades demain. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Alléluia. Alléluia. Soyons-nous.